la poubelle pour aller danser. Ce soir, c'est la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle. Oh, qu'est-ce qu'il te prend, Fernand ? J'ai besoin de calme. T'as reçu tes nouveaux timbres ? Tu dois être content ? Depuis quand tu t'intéresses aux timbres ? Depuis que j'ai besoin de toi pour m'accompagner au bal. Je te préviens, je te dépose et je reviens te chercher. Il y a du travail au potager, hein ? Tu peux pas faire ça, Fernand. J'ouvre le bal avec ton patron. Ah, justement. S'il y en a un que je veux pas voir, c'est bien lui, là. Il est en train de manigancer un truc sur la prime de rendement, là, ça sent mauvais. On va avoir des techniciens qui vont nous chronométrer, donc des ouvriers qui vont faire du zèle, d'autres qui vont pas soutenir la cadence, et ça va être la division entre nous. Alors tu crois vraiment que j'ai envie de me farcir au bal du patron ? Non, non, tu peux pas pour une fois laisser de côté la politique, tes copains et tout le tintouin. C'est pas des copains. C'est des camarades, Suzette. Des camarades ouvriers. Hein ? Nous, on lutte là, pendant que mademoiselle joue les étudiantes, les apprentis, les nodactylos. Ouais, pas n'importe où, non, non. Chez Pigier, s'il vous plaît. Bah, tu vas voir quand tu vas travailler ce que c'est un patron. Tu auras besoin de gars comme nous pour défendre tes droits. Va falloir lutter, Suzette. Et tu crois que je fais quoi, moi ? J'ai pas envie de faire comme papa et maman, me tuer à la ferme. J'étudie, c'est vrai. Et ça me rend intelligente. Tu comprends ? Ça me rend vivante. Ça me fait oublier la soupe que je prépare tous les jours, les lessives, le ménage, les affaires qui traînent. Alors aujourd'hui, ton ouvrière de maison, elle a une seule revendication, c'est que tu l'amènes au bal et que tu t'amuses. Sinon, c'est la grève. Je me mets en grève. Oh là, s'il te plaît, Fernand, je peux pas refaire ça. Une voyou reine du comice. Et une reine, ça a des obligations. Alors, si les étudiantes se mettent à avoir des discours révolutionnaires maintenant. Mais cette robe, c'est pas un peu. Monsieur de la Salle, valeureux patron de la manufacture de la Salle, ouvriers, ouvrières, contremaîtres, employés, retraités, chers amis de Saint-Julien-de-l'Île. Il est vrai qu'il y a quelque temps de cela, les ouvriers de la manufacture avaient parfois l'impression de travailler dans une petite boîte à chaussures aux parois un peu grises. Mais avec cette usine qui, 50 ans plus tard, remplace le hangar des débuts de votre aïeul, Jean-Charles, mon ami, eh bien, la boîte à chaussures des débuts s'élargit aux dimensions du monde et le gris se transforme en un arc-en-ciel. Désormais, grâce à vous toutes et tous qui ne plaignez pas votre temps, la chaussure de la vallée de l'Ille rayonne aux quatre coins du monde connu. De l'Indochine aux confins de la forêt brésilienne, de l'Afrique outre-mer aux berges du Yangtze-Kiang, de la vallée du Salambre au canyon du Colorado, tout le monde ne joue chaussures modernes. Il est un peu forcé sur le mot basiac, non ? Réclame déplacée, permettre à l'humanité entière de pouvoir marcher confortablement est un défi que vous avez su relever. Gageons que dans 50 ans, en 2015, tant d'autres se retrouveront pour fêter le 100e anniversaire de la manufacture, vous serez
par la force de votre travail et la qualité de votre jeune et visionnaire patron, su chausser les premiers habitants de Mars. Et pour conclure, rappelons le vieux dicton qui fait foi en la Valérie. Vos appétit spinox, que le monde s'escorça, qu'on s'encauchera de la salle, que c'est gagnant. Si c'est à petits pas que le monde se parcourt, c'est en chaussures de la salle qu'il se gagne. Je vous remercie. Quel beau discours, monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour le 50e anniversaire de la manufacture de La Salle, créée par mon grand-père, Charles-Henri de La Salle. J'ai repris les rênes de cette entreprise pour qu'elle reste familiale, car je tiens à cette idée de famille. Et nous sommes une famille. Une grande famille qui, grâce à nos partenaires et amis canadiens, formule des ambitions inespérées jusqu'alors. C'est le temps du travail moderne. De nouvelles méthodes se mettent en place pour aboutir à des profits bien meilleurs pour nous tous et qui, inévitablement, nous amèneront à être le leader mondial de la chaussure. Le leader du premier mètre et de la pointeuse, je vous dis. Qu'a été lancée la construction de la toute nouvelle usine à quelques pas d'ici. Grandir ensemble, c'est cela que je vous propose. Mais notre reine du jour doit s'impatienter et je ne veux pas être la cause d'un manquement, car pour tout vous dire, moi aussi ce soir, eh bien, je suis là pour m'amuser. Alors, eh bien, place à la musique et à la fête et faisons tous danser nos chaussures. Au journal de l'usine, une petite photo de famille. Allez, resserrez-vous s'il vous plaît. Voilà. Merci. Mademoiselle Suzette, me feriez-vous l'honneur, comme il est d'usage, de m'accorder cette première danse? Je crois qu'il s'agit d'un... Un Madison. Bon, j'ai bien peur d'être ridicule, mais... C'est ma danse préférée. Vous verrez, c'est facile, vous n'avez qu'à me suivre. L'homme le plus heureux aujourd'hui. Ce qui rend mes pas un peu maladroit. Je vous comprends, c'est pas tous les jours qu'on fête les 50 ans de son usine. Attention, vous allez perdre le rythme. Ça fait pas dans le bon sens. Qui l'eût cru? Ta sœur et le patron qui dansent ensemble. Faut beaucoup que l'un se trion. Je préfère mon de la chaussure. C'est quoi mon boulot? Ça n'est pas pour toi, Suzette. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu la reine du comics danser le roi des fonds. Hé, j'ai une belle photo à faire. Quelle photo? La photo de ta gueule, connard. Comme quelqu'un qui a lancé gros patron. Au prêt. Oh non, 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 c'est bon, comment? Pourquoi parler comme ça?
lundi. Oui. Je pense à la commande. Par les amis, vous savez, parce qu'il nous manque les amis, hein, Suzette. Bon, enfin, merci quand même. Eh ben n'empêche qu'il est foutu, mon pétard rouge. Vous pensez, monsieur Fernand? Ah, c'est sûr, il va marcher beaucoup moins bien maintenant. Ben, tiens, donnez, asseyez-vous. Merci. Ah, Suzette, tu mettrais une petite prune du père Thomas. Ah, vous collectionnez les timbres? Oh, oui et non, enfin pas n'importe lesquels. Uniquement la représentation de tableau. Ah oui, en effet. C'est un Cézanne, les joueurs de cartes. Vous avez vu la position de leur regard? Il y a quelque chose de fort. Je sais pas quoi, mais ça me plaît. Oui, peut-être parce qu'ils ne me donnent pas l'impression de jouer l'un contre l'autre, mais contre eux-mêmes. Non merci, je le connais très bien. J'en ai une reproduction dans mon salon. Je suis un passionné de peinture. Mais à défaut d'originaux, eh bien, je me contente de collectionner les copies. Mais revenons à notre affaire. C'est un grand soir de fête. Oublions la paperasse. Et j'assume l'entière responsabilité de ce malheureux accident. Imaginez, vous auriez été sur le Solex. Tenez. J'espère que ça suffira. Enfin, vous plaisantez, c'est beaucoup trop de sous. Non. Je vous cause assez d'embarras. Cet argent, je vous le dois. Attendez, j'avais pas garé mon Solex n'importe où aussi. Ah. Suzette me fait assez la morale comme ça. C'est vrai, il est d'un désordre. Ça me gêne, cet argent. Tiens, Suzette, va me chercher la corbeille de fruits des Alsaciens, là, vite. Dans la mare de sa petite Gisèle. Attendez. Goûtez-moi cette prune. Tenez, c'est pour vous. Oh, je me sens en reste. Oh, c'est peu, je sais, mais ce tableau il a de belles couleurs. Un tableau, mais pourquoi, Fernand? Ben, pour être quitte. Trop d'argent, ça devient un cadeau et ça me plaît pas. Et vous aimez la peinture, alors? Mais d'où vient-il? Des parents. Enfin, c'est une famille d'Alsaciens que nos parents ont hébergés pendant la guerre qu'ils nous ont donné. Si on le met ici, ça fait qu'on voit les murs qu'il faut refaire. Oh, c'est pas pour nous la peinture accrochée. Puis tu l'as jamais trouvé en timbre, hein? Ce sera mieux chez vous que chez nous. Je suis quelqu'un qui sait en profiter. Bon ben soit. Si ça vous va comme ça, on est quitte alors? Bien. Merci. Thank you.
Regarde. Oh, c'est pas vrai, Johnny et Sylvie se marient? Non, regarde là. Le troisième tableau du triptyque de Collet retrouvé à Saint-Julien-de-l'Île. Un collectionneur anonyme a présenté à l'Académie des Arts de Bordeaux un tableau reconnu comme une œuvre de Collet. Le musée de Colmar s'est porté acquéreur sans succès, le propriétaire disant y être très attaché. Ah, le tableau! Eh ben quoi? Je croyais qu'il n'avait aucune valeur pour toi. Mais c'est pas la question. Pour lui, il en a, et apparemment. C'est bien un patron, tiens. Toujours à faire ses coups en douce, là. C'est pour ça que ça fait quelque temps qu'il est bizarre. Il me tourne autour, et puis il m'évite. Et je savais pas pourquoi, tiens. Maintenant, je sais. Ah ben, justement. Puisque t'es là et que tu devais pas être là, eh ben, moi, il m'évite pas. D'ailleurs, ce soir, il m'invite au cinéma. Ça y est, je te dis. Quoi ? J'espère que je ne dérange pas. Pas à la pêche alors. Et lui, le bouillard là. Hé, il m'amène des fleurs là. Il croit que ça va s'arranger comme ça, ouais. Hein? Bonjour. Bonjour. On parlait de vous justement. Du rendez-vous, quoi. D'accord. Je vois que Mademoiselle Suzette vous a tenu au courant, donc pour le. Enfin, les rendez-vous. Voilà, je voulais vous en parler depuis longtemps, mais. C'est pas facile avec vous, hein. Pas facile, pas facile. Et non. Y a rien de pas facile. Ouais. C'est une vieille croûte. On en parle et puis voilà. Je vous défends de parler de Mademoiselle Suzette de la sorte. Votre sœur tout de même. Enfin, mais je vous parle pas de ma sœur. Moi, je vous parle de ça. Oh non, les imbéciles. Ils ne devaient sortir l'article que mercredi. Je suis désolé, vraiment. Je comptais vous en parler dès lundi à l'embauche. J'en ai plein le bol de toutes vos manigances, moi. Et moi, de votre grande gueule de... De quoi, là? Oh, de gauchiste. Et puisqu'on me pose la question, oui, j'étais au courant depuis le début. Y a pas de tralala ou de manigance, comme tu dis, Fernand. Jean-Charles m'a fait part de ses doutes sur le tableau lorsqu'il est gentiment venu me rapporter le foulard que j'avais laissé dans sa voiture le soir du bal. Et pour le reste, on a fait un petit brin de conversation et de fil en aiguille... Tu comprends quoi? Ben, je comprends quoi là? Eh bien, que le tableau va rester dans la famille. La famille? Quelle famille? Eh bien, la vôtre, enfin la nôtre. Oui, c'est un petit peu impromptu. Et cavalier, pardonnez-moi, mademoiselle Suzette, mais voilà, ça fait longtemps que j'y pense, déjà avant le bal. Alors, puisque nous sommes réunis tous les trois, bah, allez. Je me lance. Monsieur Fernand, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre sœur. Oh, bah non! Ouais, alors. Suzette! 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 Oh, allez, tu tombes bien, toi! Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes? Avoir lu? Oh putain, m'en parle pas. Je comprends pas. La chasse, ça chasse plus. La palombe, elle passe plus comme avant. Et puis la pêche, t'es, regarde, rien! Même les poissons, ils font la gueule. Il n'y a plus de saison. C'est fini, le bon temps, je vous dis. C'est la vie, mon boulou, c'est la vie. Et même les historiens le disent. Aujourd'hui, il faut parler de deux temps qui se juxtaposent. Le temps long et le temps court.
Le talent, c'est l'histoire. Ça se compte en millions d'années. C'est le bon temps, comme tu dis, toi. Le temps des déplacements à pied, le temps où les choses se décidaient au coin du feu. Le temps des paysans, rythmé par les saisons. Ouais, bon, il y avait des rois et des seigneurs, ça, bon. Et tu crois que ça a changé, toi? Ah ben oui, oui. Parce que avant il y avait quand même comme un équilibre, tu vois, et un roi, tu pouvais y couper la tête. Ouais, il est croquant, mais il pouvait leur péter la gueule au seigneur. Et les croquants, ça les attriste. Allez-y, allez-y, chantez, chantez. Et le temps court, c'est un autre regard sur les choses et sur le monde. C'est que tout s'accélère. Les industriels, les notables, les paysans, les ouvriers, eh bien, ils se perdent. Et tu sais pourquoi ils se perdent? Parce qu'ils n'ont plus de prise sur les événements, voilà. Eh, t'as raison, c'est vrai. Plus de prise, ni sur les poissons, et puis ni sur tes timbres. Tu vas voir des jeunes avec leur téléphone. Ils vont plus servir à grand-chose, tes timbres. Mes timbres, ben ils t'emmerdent, Poulou. T'es bien content quand je colle à destination de Toronto pour bouger tous les actionnaires. L'international est devenu la lutte. Et grâce à mes timbres, et avec ce temps court, là, en avion, dans mes revendications, hein, ils sont en Toronto dans 2 jours. Ça t'embouche un coin, ça, non? Hein? Eh oui, mon Poulou. Eh oui, tu vois, même nous, le petit monde de la vallée, là, eh bien, on finit par être concernés par cette réalité-là, la mondialisation et sa maîtresse, la délocalisation. Il va falloir s'en emparer de cette réalité, oui. Parce qu'à Toronto, là, même les grands chefs, ils savent pas nous trouver sur une carte. C'est de la salle qui me l'a dit. Alors moi, tu sais, cette vallée-là, quand je la regarde, elle me dit, t'en vas pas. C'est pour toi que je suis belle, c'est pour toi que je respire. Et elle ne le dit pas qu'à moi, elle le dit à nous tous. Ah, ouais, c'est une bavarde, la vallée. Le temps court, c'est ça. Il va falloir se battre ou disparaître. Il n'a pas tort, le Fernandez, il n'a pas tort. On est dans une lutte internationale. Oh putain, parce que tu parles bien, Raymond, mais ça fait peur. Et puis le poisson, je crois qu'il est pas prêt de revenir, c'est moi qui te le dis. On dirait que t'annonces le chaos. Eh ben pourquoi pas, Poulou, pourquoi pas? Mais comment tu crois qu'il est né l'univers? D'un peu de non ou du Big Bang? Ce fameux temps court, mais c'est le temps du bouleversement, de la mutation. Eh oui, c'est le temps atomique. L'énergie nouvelle, comme il dit le général. On est dans la modernité. Le temps des yéyés, quoi. En 2000, si tu l'écoutes, tu verras que tu auras des voitures volantes et qu'avec ton appareil photo, tu pourras téléphoner. Et nous avons même inventé un deuxième trou du cul. Parce qu'on risque d'en chier s'il n'y a rien qui bouge d'ici là. Hein? C'est aujourd'hui qu'il faut ouvrir sa gueule. Restituer la fonction de citoyen responsable. Seul maître de l'avenir du pays. Ah oui, je sais, c'est pas de moi. C'est de Mitterrand. Ah. Mais ça, c'est moderne. Regarde là, la manifestation des temps qui changent. Ah, regarde ça. Elle est libre comme le vent. Oh. Et mon beau-frère de patron, là. Et la modernité ambulante qui arrive. La modernité ambulante, là. Dans son panier. Tu sais quoi, Raymond? Ben, je suis sûr qu'elle a mis un petit vin des coteaux, quelques magrets fumés et un petit cabicou. Et ta mondialisation, là. Elle n'est pas prête de nous l'enlever, ça. Alors, toujours ça. Bon, c'est bien joli, là, tous vos discours sur le temps, messieurs. Hein. Mais vous oubliez une donnée constante. La durabilité. Ça y est, il fait son patron. Hein. Allez, tu peux pas t'en empêcher, c'est pas possible. Hein. Mais laisse-le parler un peu. C'est vrai. À aucun moment, vous ne parlez d'amour. C'est pourtant bien ça qui fait marcher le monde, non? Oui, mais l'amour... Ça peut se délocaliser aussi, hein. C'est comme tout. La vraie notion de temps, elle est là. Ben oui, messieurs les philosophes. L'amour, c'est le plus important. Et il faut l'entretenir pour qu'il dure, c'est pas sorcier. C'est ce qu'il veut dire, Jean-Charles.
Et c'est pas moi qui vais aller contre. Ou alors tout contre. Sans l'amour, y a rien. Vous êtes d'accord avec moi pour une fois, hein? On peut être d'accord sur certains points, non? Sans l'amour, ça ne tient pas toutes vos théories là de temps long, de temps court. Eh hey, mais c'est pas si mauvais que ça, hein, le temps court. Hey. À propos, quand tu dis qu'on peut être d'accord sur certains points, c'est bon pour l'usine aussi. Hein? Oh, vous allez pas recommencer vous deux. Oui. Bon. Hop hop hop, une petite photo. Allez. Allez, Suzette. Allez Raymond, tu te décales sur ta gauche. Encore. Encore. Voilà. Suzette, tu décolles un peu de Jean-Charles. Encore, encore. Voilà. Bien. Allez, on ne bouge plus. Attention. Merci. Ah. Ah. Allez! Si on passait aux choses sérieuses, voilà! Ouais, mais... Apparemment, j'ai déjà commencé. En discutant. Ah, le poulou, ça commence pas, ça finit jamais. Alors, Et c'était mon beau aussi! Merci, petit, merci! Fernand. J'ai repensé au timbre des joueurs de cartes. Je crois que s'ils ne se regardent pas, c'est parce qu'ils se font tout simplement confiance. Jean-Charles de La Salle. Pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie. Dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.